Bienvenue à toi, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, dans cette chronique où nous allons explorer ensemble le symbolisme du cheval. Émergeant d'une longue évolution de près de 50 millions d'années, le cheval, symbole de beauté sauvage, broute paisiblement sur les plaines. Puis, dans un ébrouement, il se libère, souffle brûlant et rapide comme le vent, volant au-dessus du paysage dans un grondement de sabots. Tel un esprit en quête de liberté, le cheval aspire à s'extirper de son enveloppe terrestre. Force motrice fabuleuse, il incarne tant le meilleur que le pire de l'humanité. Dompté et apprivoisé, il a appris à nous connaître, nous lui avons chuchoté à l'oreille et il nous a compris. Attaché à nos charrues et nos carrioles, il nous a porté à travers d'innombrables batailles et conquêtes, devenant un emblème de l'aristocratie et de notre esprit joueur. Grâce à lui nous avons remporté notre combat pour la liberté, mais cette même liberté peut rendre ce sacrifice dangereusement vain. Nous risquons d'être possédés par notre pulsion, galopant inconscient et notre orgueil bouffi nous entraînant vers des rêves de conquête. Les sacrifices du cheval comme les Hvemeda du rite hindou étaient essentiels pour de nombreuses cultures anciennes qui, par leur culte et rituel, mettaient en jeu leur liberté, leur pouvoir, et explorer les mystères de la vie, de la mort et du renouveau. Ainsi le cheval est intimement lié à notre psychisme et à notre civilisation, apportant symboliquement et littéralement à la fois la mort et le salut. Pour l'homme, le cheval représente la transcendance. Poséidon, maître de la mer et de la terre, a donné le cheval à l'humanité, tandis qu'Athéna, dans sa sagesse, nous a confié les rênes. Grâce à ces deux présents, nous avons transcendé les limites de l'espace, du temps et de la force, unissant la puissance du cheval à nos efforts. Dans l'imaginaire collectif, le cheval est devenu une force knonienne cosmique, capable de faire jaillir des sources d'eau vivante d'un coup de sabot, de déployer des ailes pour s'élever dans le ciel ou de traîner le soleil à travers les cieux, ou encore inspirant la terreur des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Odin le dieu nordique chevauche Slepnir, son destrier blanc à huit pattes, pour rassembler les morts, une chevauchée redoutée par les paysans qui lui réservaient toujours du fourrage. À la fin de cette ère, la dixième incarnation de Vishnu prendra la forme de l'étalon blanc Kalki, pour engendrer un nouveau monde. Perchés sur leur monture, aiguillonnés par leur libido stimulé et leur énergie palpitante, les héros et les rêveurs chevauchent des puissances brutes, proches mais néanmoins inconnues de leur intelligence et de leur instinct animal. Ils doivent s'accorder avec elles et bien les tenir pour vivre une aventure spirituelle pleinement incarnée. Le chevalier de la quête médiévale incarne cette harmonisation, portée à son paroxysme au cours du périple périlleux vers la vérité intérieure et spirituelle. Dans les contes de fées, de nombreux héros pénètrent dans la forêt et n'en ressortent vainqueurs qu'après s'être soumis à la volonté et au conseil d'un cheval magique. Dans le conte des frères Grimm, la gardienne doit, la tête coupée du cheval Falada devient l'oracle, rappelant à l'héroïne ses origines et sa vérité. En tant que symbole de notre nature animale, le cheval se relie à des figures maternelles comme Déméter, à tête de cheval, ou la déesse celtique Épona. Il est également un guerrier, consacré à Mars, mais le trésor du héros guerrier réside dans sa capacité à transmuter des pouvoirs littéraux du cheval en une nouvelle conscience. On pense au cheval de Troie, où le rusé Ulysse place des soldats dans un cheval de bois, feignant la défaite pour remporter la victoire grâce à l'imagination plutôt qu'au combat physique. Cependant, il faut savoir retenir son cheval. Phaéton n'y est pas parvenu et a connu une fin tragique. Par ruse, il persuade son père Apollon ou Helios de le laisser conduire le grand char du soleil. Mais son équipage, entre ses mains trop faibles, s'emballe, mettant en péril l'ordre de l'univers. Des chevaux cauchemardesques, frénétiques et fous peuvent nous échapper, nous piétiner, voire nous détruire. Symboliquement, le cheval incarne force et vitalité, dépassant même le taureau. Les chevaux et les bisons étaient des motifs fréquemment reproduits dans l'art de l'époque glaciaire. Ces deux espèces formaient un système dual le cheval symbolisait le pôle masculin et le bison la puissance féminine, peut-être liée à l'adoration d'une grande déesse de la terre. La domestication du cheval est apparue des milliers d'années plus tard, en Europe de l'Est ou en Asie centrale, permettant aux peuples nomades d'harceler les colons sédentaires de la Méditerranée tels que les centaures. À l'origine, la valeur symbolique du cheval était funéraire, souvent associée au royaume des morts. Il remplissait le rôle de psychopompe, comme le montrent de nombreuses cultures asiatiques, ou la Grèce mycénienne, où l'on sacrifiait des chevaux pour accompagner l'âme dans l'au-delà. Cette signification, parfois inversée, demeure vivante aujourd'hui. Les chamanes anciens, par exemple, utilisaient des tambours en peau de cheval pour accéder au monde des esprits, montant symboliquement le cheval représenté par leurs bâtons. Dans certains cultes brésiliens, ou des pratiques vaudoues, les divinités ou esprits prennent leur monture pour communiquer avec l'au-delà. En tant que créature de l'au-delà, le cheval incarne tous les dangers, y compris les horreurs. Les chevauchés des mourants sont souvent appelés chevaux Saint-Michel, tandis que les terribles chevaux aux yeux de feu de la Mesnie Elquin inspirent la peur. Les chevaux de Neptune surgissent de la mer, ou les juments annoncent les harpies dans l'ancienne Grèce, rappelant leur association avec des valeurs maternelles et féminines, qu'elles soient terrestres ou maritimes. Paradoxalement, avant de devenir un emblème de la royauté masculine, le cheval pouvait également incarner la souveraineté féminine, à l'image de l'antique Epona en Gaule, de Rhiannon dans les Mabinogions gaulois, ou de Macha en Irlande, qui, comme hypostase de la Morrigan, évoque une grande déesse primitive, Anna ou Danu, se divisant en trois figures correspondant aux phases de la Lune. Comme nous l'avons vu, le cheval est la monture des dieux, symbole de force et de rapidité. Dans le Yiking, il est associé à ses qualités. Même dans la lame numéro 7 du chariot, le rouge et le bleu symbolisent le soufre et le mercure, éléments de base de l'alchimie. Les chevaux qui tirent le char n'ont pas de rênes visibles, mais regardent dans la même direction, tandis que leurs jambes ne vont pas dans le même sens. Psychologiquement, cette septième l'âme représente l'homme qui a dominé les oppositions et unifié les tendances contraires par la force et sa volonté. Nous entrons alors dans le domaine de l'action personnelle. Dans cet espace temps la fatalité est dépassée, l'homme choisi se prend en main et devient le maître victorieux. En psychologie analytique, le symbole du cheval, lorsqu'il apparaît dans un rêve, est associé aux instincts animaux, plus précisément aux pulsions. En tant qu'animal farouche et fougueux, le cheval témoigne des forces indomptées qui s'agitent sous la surface de notre esprit conscient. Il représente les aspects indomptables de la psyché, ces énergies primaires avec lesquelles nous devons composer. Plutôt que de les soumettre, il s'agit de les intégrer à notre être. Le processus d'individuation exige cette réconciliation des contraires. Le cheval sauvage symbolise la force instinctive qui, si elles ne sont pas maîtrisées, pourrait submerger l'ego mener au chaos à l'inverse un trop grand contrôle peut conduire au refoulement et à la névrose la clé réside dans l'établissement d'une relation harmonieuse avec ses forces apprenant à monter à cheval une métaphore de la compréhension et de l'équilibre de nos pulsions instinctives dans la philosophie orientale notamment taoïste une idée similaire émerge l'équilibre entre le ying et le yang ces énergies naturelles qui doivent circuler harmonieusement le cheval dans les rêves devient alors un puissant symbole de vitalité indomptée, laissant un défi au rêveur pour intégrer ses forces primaires dans sa vie consciente. Merci à toi cher explorateur et chère exploratrice de la psyché pour ton écoute et on se dit à très bientôt.